Alors les amis, la Chine a complètement révolutionné la production de la patate grâce à cette technique légendaire. Écoutons la vidéo ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a là? De vieilles chinoises qui cultivent des patates. Alors ce qui est intéressant ici, ce ne sont pas les vieilles chinoises, mais plutôt la méthode qu'elles utilisent pour produire leurs patates. Contrairement à elles, ce que nous on fait chez nous très généralement, c'est qu'on entre en champ, on découpe les corps de patates suivant une certaine dimension, notamment 30 cm ou alors 50 cm, et on les enfuit au sol. Mais elles, vous constatez qu'elles ont d'abord pré-germé les patates, ok? Et puis, elles viennent sur ces patates-là récolter les germes avant de les mettre en terre. Et moi, je suis dans la logique que une grande puissance économique et surtout agricole telle que la Chine, si elle utilise cette méthode-là, ça veut dire que cette méthode-là a un avantage sur la méthode qui consiste à découper les corps de patates et à les enfouir au sol. On me dit quoi? La méthode-ci, ça a un avantage, les gars. Mais la bonne question maintenant, c'est quel est cet avantage? Parce que là, je regarde, je ne vois pas. Quel est cet avantage? Est-ce que vous avez une idée? Si vous avez une idée, dites-nous un peu en commentaire, question que nous puissions nous échanger des idées. Voilà. En moins de 2 semaines, la vidéo a pas mal tourné et cumule à ce jour plus de 429 000 vues, 1000 partages, plus de 250 commentaires. Alors aujourd'hui, les questions pour nous d'analyser tous ces commentaires afin de mieux vous expliquer les avantages et les inconvénients de cette technique sur notre bonne vieille méthode africaine qui consiste à découper des corps de patates et à les enfouir au sol. Mais rassurez-vous, seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo pourront comprendre. Tous ceux qui suivront la vidéo à moitié, vous ne comprendrez que dalle. Niette. Bien les amis, notre analyse va se dérouler en 3 principaux volets. Alors tout d'abord, on a ceux-là qui ont refusé de réfléchir. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont refusé de réfléchir et se sont pressées dans les commentaires pour tenir des propos du genre « Notre technique africaine est meilleure. » Pourquoi toujours penser que ce qui vient d'ailleurs est bon, est meilleur? D'autres ont même dit des choses du genre la patate des Chinois n'est même pas la bonbonne. Hein, leur patate là, quand on met dans la marmite, ça devient le poto-poto. Non, par le passé, on a été autosuffisant avec notre technique qui consiste à enfouir les corps de patate au sol. La patate des Chinois là, même d'abord, ce sont des patates génétiquement modifiées. Ah, c'est fou à quel point certaines personnes peuvent pousser la bêtise loin. Oui. Les amis, on a fait un constat simple. La Chine est un pays qui est à des années-lumière de la plupart des pays africains. Et donc, ne trouvez-vous pas judicieux de se poser des questions? Lorsqu'on voit un tel pays utiliser une technique pour faire quelque chose et que nous autres qui sommes en arrière utilisons une autre technique, est-ce qu'il n'est pas judicieux de se poser la question qui est celle de savoir si cette technique-là que ce pays-là qui est devant nous utilise a un avantage sur la technique que nous utilisons? Et ça, c'est pas logique de se poser ce genre de questions. Mais voilà la question qui est simple, mais des gens trouvent quand même le moyen de venir débiter des inepties. Bon, après moi, je peux aussi le comprendre. C'est d'une part aussi sur le chômage. Vous savez, beaucoup là s'ennuient juste. Ils n'ont rien à faire. Donc, faudrait qu'on les comprenne aussi. C'est pas tellement de leur faute. Mais bon, bref. À côté de ceux-là qui ont refusé de réfléchir, on a eu ceux-là qui pensaient que la technique chinoise permet d'avoir des rendements plus élevés. La technique chinoise permet d'avoir des plants sains. Bon, personnellement, moi, l'argument ne m'a pas tellement accroché dans la mesure où, pour ma part, avec mes petites connaissances que j'ai, je sais que le rendement est principalement conditionné par le type de sol. Ok, on va regarder si... On va regarder les propriétés physiques du sol, on va regarder les propriétés chimiques du sol et on va voir si tout cela est adapté à la culture qu'on veut réaliser. À côté de ça, il y a le suivi. Est-ce que la plantation a été bien suivie? Est-ce qu'il y a eu des maladies? Est-ce qu'il y a eu des attaques de ravageurs? Tous ces paramètres-là influent le rendement. Donc, dit là que le fait de pré-germer des patates et de venir là prélever des semences dessus va permettre de booster le rendement. Bon. Moi, je suis pas trop d'accord. Et ceux qui disent que ça permet d'avoir des plants sains, je ne pense pas que lorsqu'on découpe les corps de patates, à ce moment-là, on n'obtient pas des plants sains. Moi, personnellement, je pense pas. Donc, cet argument-là, ça va de soi. Alors, troisièmement, on a eu ceux-là qui pensaient que
la technique chinoise est en réalité une technique de multiplication des semences. C'est donc là où ça devient très intéressant, les amis. Et pourquoi pas, j'étais aussi complètement de cet avis-là, ok? La technique chinoise est en réalité une technique qui permet d'avoir un maximum de semences. Si vous voulez faire un hectare de patates, découper les corps de patates, ça c'est encore possible. Vous voyez, vous tournez là derrière votre maison, vous arrachez les cordes, vous découpez. Et puis, ça peut vous permettre d'ensemencer un hectare de patates. Mais dès lors que vous voulez lancer 10 hectares de patates, 30 hectares, 50 hectares, 100 hectares de patates, il commence à se poser un réel problème de semences. Où est-ce que vous allez prendre des cordes pour ensemencer 100 hectares de patates? Ça devient vraiment problématique. Et c'est donc là où la technique chinoise est un vrai coup de génie, dans la mesure où elle permet d'avoir autant de semences que possible. C'est-à-dire que même si vous voulez faire 1000 hectares, 2000 hectares, cette technique-là va vous permettre d'avoir la semence nécessaire pour ensemencer vos 1000 hectares de patates. Beaucoup ont également parlé du gaspillage. Qu'en fait, mettre autant de patates dans le sol, c'est du gaspillage. Ces patates-là, on aurait pu les utiliser pour faire peut-être de la farine, pour faire peut-être de l'amidon. Bon, là encore, ça dépend. Mais pour ma part, je pense qu'il n'y a aucun gaspillage là. Okay? Il n'y a aucun gaspillage là dans la mesure où toutes ces patates-là peuvent être réutilisées après avoir eu à prélever les germes. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de faire frire une pomme de terre qui avait déjà germé? Ok. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que la pomme de terre a germé que le contenu de la pomme en soi est détérioré. C'est vrai que si on décide de regarder les propriétés physico-chimiques de la patate ou de la pomme de terre qui a germé, c'est qu'il est sûr, ce ne sera plus la même chose. Du moins, je me dis que la teneur en sucre, la teneur en amidon d'une patate qui a germé déjà et d'une patate qui n'a pas encore germé ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, mais toujours est-il que à la fin, lorsque vous arrachez ces germes-là, la tubercule qui reste, vous pouvez encore l'utiliser soit pour la consommation, soit pour la transformer en farine et bien d'autres choses. Donc voilà les amis, on retient donc que la technique chinoise est en réalité une technique de multiplication de semences qui va vous permettre, n'est-ce pas, de produire sur de grandes superficies. 100 hectares, 200 hectares, avec cette technique-là, vous êtes sûr d'avoir la semence nécessaire. D'autre part, même, ça peut être plus économique pour vous, parce que je pense que le sac de semences de patates aussi, ça coûte quand même la peau des fesses. Hein. Si vous décidez d'acheter la semence auprès des semenciers, entre guillemets, ça va vous coûter une belle fortune. Ok? En fonction de la surface que vous voulez ensemencer, ça va vous coûter pas mal. Et donc, sur ça, je profite pour dire à tous les cultivateurs de patates que très bientôt, nous aurons dans nos pépinières situées à Yaoundé au quartier Ngousso de la semence de patates jaunes disponible. Quand je parle de patates jaunes, je parle de ça. Vous voyez cette patate-là qui a une belle couleur dorée à l'intérieur. Ok? Donc, très bientôt, nous aurons cette semence-là disponible dans nos pépinières en quantité. Là, nous sommes encore dans une phase de multiplication. Okay? C'est une patate qu'on avait fait venir de France. Donc là, nous sommes en train de multiplier. Lorsque ce sera bon, vous pourrez y avoir accès en nous contactant au numéro qui s'affiche. Juste là, je pense, c'est là ou là. Ok. Donc, voilà, j'espère que la petite vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager, car, n'est-ce pas, ce sont toutes ces interactions-là qui font en sorte que la vidéo sera montrée au plus grand nombre de personnes. Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.